Je suis né à Bogota le 18 janvier 1988, donc ça fait 31 ans. Je suis cuisinier et aujourd'hui restaurateur parce que j'ai 6 restaurants entre la banlieue et Paris. La mandarine de Proust, c'est la mangue et surtout le noyau. J'adorais croquer le noyau, avoir plein de jus partout et après tous les petits filaments entre les dents. Oh, le fruit détesté, c'était quand même la papaye. Je sentais, j'avais l'impression que ça sentait un peu le vomi. Et maintenant avec un peu de citron vert, je trouve ça délicieux. J'adore le potiron parce qu'en fait c'est un produit que tu mets au four 220 degrés pendant 45 minutes. Après tu mixes dans un blender avec un peu d'huile d'olive et t'as une soupe qui est fantastique. Dans ma cuisine, il y a toujours un peu de gingembre, du citron vert et il y a toujours une mangue qui traîne. Pour moi, le 400 g challenge est facile à atteindre en mangeant des soupes. Dans la semaine, j'en mange au moins 4 ou 5 et ça me permet de manger beaucoup de fruits et de légumes. Un conseil pour relever le 400 g challenge, déjà au petit-déj, très important les fruits, bananes, mandarines, un jus d'orange pressé et le soir, une petite soupe, c'est parfait. Une recette facile, c'est l'hiver, donc bien évidemment, moi j'adore les potages, les légumes, les accrus aussi également. On accompagne ça avec un tout petit peu de tarama, du yaourt, un peu d'huile d'olive. Sinon, un wok tout simplement avec les légumes sautés, on déglace avec un peu de soja, huile de sésame, on se régale.